Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la saga des Rougon-Macquart que j'ai commencé à lire depuis le mois de mars à raison d'un tome, d'un volume tous les deux mois. C'est une lecture, je me suis lancée dedans parce que ça a été proposé par deux youtubeuses, Anastasia et Nambolita, qui proposaient de découvrir cette série. Et c'est un thème qui m'a intéressée parce que Germinal, je l'ai lu il y a 2-3 ans et c'est un livre qui m'a profondément marquée. Je pense qu'aujourd'hui il compte parmi mes livres préférés. Et donc j'avais très envie de me lancer dans l'aventure et de connaître un peu plus l'œuvre de Zola. Et j'ai pas été déçue parce que j'ai commencé donc à lire les 3 premiers volumes et j'ai vraiment très envie de vous en parler. Pour remettre un peu dans le contexte, Les Rougon-Macquart, c'est une saga, une fresque familiale, sociale, politique et historique qui a été écrite donc par Émile Zola entre 1870 et 1893. Elle est composée de 20 volumes qui sont pour certains assez connus comme Germinal donc, L'Assommoir ou encore la Bête humaine. Et il faut savoir en fait que c'est des livres qui peuvent se lire tout à fait indépendamment parce que chaque volume se concentre vraiment sur un des membres de cette famille des Rougon-Macquart, un ou plusieurs membres, et dans un contexte assez particulier. L'action elle prend place de 1851 à 1874, soit du Second Empire sous Napoléon III jusqu'à l'avènement de la Troisième République. Et c'est d'ailleurs en fait un des thèmes phares de l'œuvre puisque tout le long des Rougon-Macquart, Zola va émettre une critique très violente du régime impérial et aussi un peu une plaidoirie pour la République. Donc je vous propose dans un premier temps de revenir sur ce que racontent les trois volumes et après j'essaierai un peu d'expliquer les liens que j'ai pu faire depuis le début de ma lecture. La Fortune des Rougon, c'est le roman d'ouverture de cette longue saga familiale. C'est un livre où l'action prend place à Plassans, c'est un alter d'Aix-en-Provence, et on va y découvrir les origines donc de la famille Rougon-Macquart. Tout part d'Adélaïde Fouque, qui est une femme qui va se marier deux fois, d'abord avec un Rougon, puis avec un Macquart. Et de ces unions vont naître trois enfants, Pierre Rougon l'aîné, et ensuite Antoine et Ursule Macquart. Et la Fortune des Rougon, elle va nous raconter l'avidité, le désir de pouvoir de Pierre Rougon qui vont le pousser à escroquer sa propre famille, sa propre mère et son frère et sa sœur. Pierre, il va tenter aussi de faire sa fortune par le commerce et aussi par la politique en préparant le retour du régime impérial. Et en parallèle, on va également suivre Silver et Miette qui vont se joindre aux insurgés pour se révolter contre le coup d'état de Louis-Napoléon. Le deuxième volume, c'est La Curée, et cette fois, l'action se passe à Paris. On va suivre Aristide Rougon, qui est le plus jeune fils de Pierre Rougon et qui s'est renommé Aristide Saccard. Il vient juste de se remarier à une riche héritière qui s'appelle Renée. C'est un homme qui est opportuniste, qui est avide et qui va jouer sur la spéculation immobilière d'un Paris qui est en pleine transformation afin de s'enrichir. Et aussi, on suit Renée, sa femme, qui est, on va dire, lassée, blasée de l'opulence, des mondanités. Elle n'a plus plaisir à rien et elle trouve réconfort auprès de son beau-fils dans une relation qui va devenir incestueuse. Et enfin, troisième volume, Le Ventre de Paris, qui va nous emmener à nous plonger au cœur des Halles de Paris et auprès de Florent. C'est un homme qui a été emprisonné par erreur lors du coup d'état de 1851. Il a réussi à s'échapper du bagne et il retourne sur Paris pour contacter son demi-frère Quenu. Quenu, il est devenu charcutier avec sa femme Lisa Macquart. On va suivre le quotidien de cette famille et des autres commerçants des Halles de Paris et qui va être ce quotidien qui va être perturbé par l'arrivée de Florent et de ses rêves révolutionnaires. Chose que Lisa ne va pas supporter. Elle ne supporte pas que Florent arrive, vienne troubler son quotidien paisible et surtout menace son confort et le peu de richesse qu'ils estiment avoir. Et en fait, l'ensemble des habitués des Halles se liguent contre lui en faisant circuler des rumeurs mensongères parce qu'ils ne supportent pas la différence de Florent et surtout le voient comme un criminel. Maintenant que je suis revenue brièvement sur ces trois volumes, je voudrais un peu expliquer les liens que j'ai réussi à faire entre les quelques œuvres. Il y a quelque chose qui est assez frappant, c'est le fait que tout le long des ouvrages, Zola ne va pas tarir ses critiques contre le régime impérial. Il en dénonce les abus, les excès, les oppressions, les manipulations, la violence de ce gouvernement qui n'est là que pour profiter à une partie de la population et à l'enrichir. Et Zola, il va parvenir à faire cette critique de plusieurs façons. Zola y construit une part de sa critique à travers des personnages qui vont être absolument détestables. Ces personnages, ils incarnent le régime où ils en sont des soutiens. On va avoir Pierre Rougon, Aristide Saccard ou encore les commerçants des Halles qui cherchent tous de l'argent, du pouvoir, sans jamais se préoccuper des conséquences sur les autres ou même sur leurs proches. Dans La Fortune, Zola nous raconte
Donc l'arrivée du coup d'État par Louis-Napoléon. Et on va vivre ça à travers tous les échanges politiques qui vont prendre place dans le salon de Pierre Rougon. Avec cette narration, où les événements parviennent de façon différée aux habitants de Plassans, on a vraiment un ressenti d'attente et de suspense. On est vraiment on est sans cesse dans l'expectative d'avoir des nouvelles de ce qui se passe à Paris, comme l'étaient sans doute les provinciaux à l'époque. La nouvelle officielle du coup d'État n'arriva à Plassans que dans l'après-midi du 3 décembre, un jeudi. Dès 7h du soir, la réunion était au complet dans le salon jaune. Bien que la crise fût vivement désirée, une vague inquiétude se peignait sur la plupart des visages. On commenta les événements au milieu des bavardages sans fin. La famille Rougon, elle compte sur le retour du régime impérial, de l'empereur, pour accéder à une position sociale plus élevée et ainsi s'enrichir. En parallèle, Zola il va raconter la mise en place de la révolte des républicains à Plassans. Et ça à travers le regard du jeune Silver, qui est un adolescent qui est idéaliste et qui sera bientôt rejoint par son amie Miette. Cette révolte, elle va être sévèrement réprimée par l'armée. Les insurgés vont être tués, emprisonnés ou exilés. Et Silver est même abandonné à la mort par son propre cousin, par sa propre famille. Ce qui montre bien à quel point les Rougons sont prêts à tout pour que personne ne leur fasse ombre et qu'ils puissent acquérir leur nouvelle fortune. Félicité eut à son tour un léger frisson. Elle ouvrait la bouche pour demander à son fils pourquoi il n'avait pas empêché ce meurtre, en réclamant l'enfant. Mais elle ne dit rien. Elle resta là, interdite. Aristide, qui avait lu sa question sur ses lèvres tremblantes, murmura « Vous comprenez, je n'ai rien dit. Tant pis pour lui aussi. J'ai bien fait. C'est un bon débarras. » Ici, le personnage d'Aristide, il n'a aucune scrupule à laisser son propre cousin de 17 ans seulement se faire exécuter dans un coin de rue. Et sa cruauté, on va vraiment la retrouver dans le second volume « La Curée ». Dans ce second volume, c'est l'essor de la bourgeoisie et de l'aristocratie qui vont s'approprier toute la ville de Paris. Zola, il dénonce les excès des réformes du baron Haussmann. Alors le baron Haussmann, c'est le préfet de la Seine à qui l'empereur va demander de transformer Paris pour moderniser la ville en créant de grands boulevards, de grandes places qui sont dégagées ou encore en améliorant les réseaux d'assainissement. D'une part, Zola critique le coût faramineux de ses installations et surtout la corruption qui tourne autour de la spéculation immobilière pour s'emparer de chaque parcelle de terrain. Le titre « La Curée » ça désigne littéralement une portion d'un gibier qu'on donne aux chiens de chasse. Ici, ça se veut évocateur d'une ville qui est déchirée en morceaux par des créatures qui sont avides d'en tirer profit, donc ici Aristide Saccard et aussi d'autres bourgeois et aristocrates. Et ces hommes, ils sont décrits comme des chasseurs, comme des prédateurs. Aristide Rougon s'abattit sur Paris, avec ce flair des oiseaux de proie qui sentent de loin les champs de bataille. Mais Aristide frémissait de rage dans cette pauvreté, dans cette existence étroite, où il tournait comme une bête enfermée. Là ici, Saccard, c'est une bête infernale qui est assoiffée de richesses et d'argent. Et un peu plus loin, il décrit à sa première femme, Angèle, comment il voit la nouvelle découpe de Paris. Et pour faire ça, pour lui montrer comment il le voit, sa main, elle devient en fait un couteau qui taille la ville. Sa main sèche et nerveuse coupait toujours dans le vide. Angèle avait un léger frisson. Devant ce couteau vivant, ses doigts de fer qui hachaient sans pitié la masse en borne des toits sombres. Comme si la main de son mari eût réellement fait les entailles dont il parlait, crevant Paris d'un bout à l'autre, brisant les poutres, écrasant les moellons, laissant derrière elle de longues et affreuses blessures de murs croulants. La petitesse de cette main, s'acharnant sur une proie géante, finissait par inquiéter. Et tandis qu'elle déchirait sans effort les entrailles de l'énorme ville, on eût dit qu'elle prenait un étrange reflet d'acier dans le crépuscule bleuâtre. Ce fameux plan de Paris sur lequel une main auguste avait tracé à l'encre rouge les principales voies du deuxième réseau. Ces sanglants traits de plume entaillaient Paris plus profondément encore que la main de l'agent voyé. Donc là, on retrouve tout un champ lexical qui est associé à la viande, à la proie, à la chasse, les entrailles, le couteau, crevant, blessure, sanglant. Vraiment, le désir d'argent d'Aristide dans ce passage, et même tout le long du livre, il s'apparente à un désir qui est sanguin, qui est une pulsion même incontrôlable. Zola va pas forcément rentrer dans les détails des transactions, mais dans sa façon de raconter les échanges, les manigances entre les personnages, on perçoit tout de suite la corruption, la duplicité et le peu de scrupules qu'ils ont. Cette population, elle a aussi un besoin d'exposer sa richesse qu'elle a accumulée, et elle fait ça dans des bals mondains, qui sont d'une opulence presque écœurante, et on le voit également dans les bâtisses qui sont surchargées de décors, d'atours, et dans lesquelles prennent place des repas somptueux. Le long du cordon des assiettes, l'armée des verres, les carafes d'eau et de vin, les petites salières, tout le cristal du service était mince et léger comme de la mousseline, sans une ciselure, et si transparent qu'il ne jetait aucune ombre. Et le surtout, les grandes pièces semblaient des fontaines de feu,
Des éclairs couraient dans le flanc dépoli des réchauds. Les fourchettes, les cuillères, les couteaux à manches de nacre faisaient des barres de flammes. Des arcs-en-ciel allumaient les verres. Et, au milieu de cette pluie d'étincelles, dans cette masse incandescente, les carafes de vin tachées de rouge, la nappe chauffée à blanc. Ici, l'énumération de tous les éléments sur la table, avec les hyperboles, une armée de verres, une nappe chauffée à blanc, tout ça nous donne une impression de démesure, de trop-plein. On est ébloui par tous ces ustensiles qui sont éclatants et c'est accentué encore plus par un champ lexical autour de la foudre et autour du feu, des éclairs, des barres de flammes, une masse incandescente, une pluie d'étincelles. Et au milieu de tout ça, on a le vin qui vient comme rappeler le sang d'un gibier sur une nappe trop blanche. Et ça, je pense qu'on peut l'interpréter comme étant un peu le sang de René qui va être emporté par ce trop plein de richesses. Mais je vais y revenir un petit peu après. Le ventre de Paris va nous conter un peu le développement de la nouvelle bourgeoisie commerçante dans les Halles et parler un petit peu aussi de la répression policière. Tous les petits commerçants des Halles sont surnommés les Gras dans ce roman. Ce sont des marchands dorés qui ne vivent que par et pour leur ventre. L'évocation de la chair, elle est très présente dans le roman, rien que par le métier de Quenu et Lisa Macquart qui sont charcutiers. Et ce sont des marchands qui soutiennent l'Empire parce qu'il leur offre de la prospérité et il leur permet d'accumuler des richesses. Et Zola donc va à plusieurs reprises décrire des états qui débordent de victuailles et qui sont vraiment pleins d'abondance. D'abord, tout en bas, contre la glace, il y avait une rangée de poudriettes entremêlée de peaux de moutarde. Les jambonneaux désossés venaient au-dessus, avec leurs bonnes figures rondes, jaunes de chapelure, leurs manches terminées par un pompon vert. Ensuite arrivaient les grands plats, les langues fourrées de Strasbourg, rouges et vernies, saignantes à côté de la pâleur des saucisses et des pieds de cochon. Les boudins noirs, roulés comme des couleuvres aux bonnes filles, les andouilles, empilées deux à deux, crevettes santé. Les saucissons, pareils à des échines de chantre, dans leurs chapes d'argent, les pâtés tout chauds, portant les petits drapeaux de leurs étiquettes. Les gros jambons, les grosses pièces de veau et de porc, glacées et dont la gelée avait des limpidisés de sucre candi. Et les commerçants, eux aussi, ils sont bien en chair, bien portants. Dans sa première apparition, page 57, Lisa, elle est décrite comme étant forte de la gorge. Et elle a cette peau fine et rosée des personnes qui vivent d'ordinaire dans les graisses et les viandes crues. Et c'est la même chose pour sa fille, qui est décrite une page plus loin. Sa fille Pauline, elle a une grosse figure ronde. Donc on retrouve vraiment cette présence de la chair qui se trouve à la fois sur les étals et à la fois sur les personnages. Ces commerçants, ils vont pas supporter l'arrivée de Florent et de ses convictions républicaines. Ils détestent la différence et la maigreur de l'homme. Ils ont peu de compassion pour lui, ils jugent sur les apparences, et ils considèrent que les maigres, donc comme Florent, ils sont misérables, ce sont des misérables, et qu'ils ont commis des crimes, des exactions qui ont causé leur perte. Donc ils se voient menacés en fait par ces personnages maigres, c'est des criminels pour eux. Alors petit aparté, cette théorie des gras et des maigres, on est bien d'accord qu'aujourd'hui ça a plus du tout la même portée, mais bon, dans le roman de Zola, c'est comme ça que c'est décrit. Même Lisa Macquart, qui est consciente que son beau-frère a été envoyé au bagne par erreur, qu'il n'est pas coupable, elle pense quand même qu'il est dans le fond mauvais. Et à un moment donné, quand Quenu, son mari, commence à suivre Florent dans ses idées révolutionnaires, elle le réprime sévèrement. « Écoute-moi bien, » reprit-elle d'une voix plus profonde. « Tu ne veux pas, je pense, qu'on vienne piller ta boutique, vider ta cave, voler ton argent. Si ces hommes de chez Monsieur Le Bigre triomphaient, crois-tu que le lendemain tu serais chaudement couché comme tu es là ? Alors pourquoi parles-tu de renverser le gouvernement, qui te protège et te permet de faire des économies ? Tu as une femme, tu as une fille, tu te dois à elle avant tout. Tu serais coupable si tu risquais leur bonheur. Il n'y a que les gens sans feu ni lieu, n'ayant rien à perdre, qui veulent des coups de fusil. » Toute cette méfiance, cette haine, sont exacerbées par des quiproquos, des rumeurs autour de Florent. Les commerçantes et commerçants, ils vont tous, peu à peu, se liguer contre lui pour le dénoncer à la police sans une once d'empathie, sauf peut-être un peu chez Lisa. Pour moi, l'un des pires personnages de ce livre, c'est Mademoiselle Sagesse. C'est un personnage qui est sournois, qui est menteur, et c'est une manipulatrice qui lance des rumeurs. Et, petit à petit, elle montra qu'elle savait tout. Ce n'était qu'une façon de tenir Lisa à sa merci. Lorsque celle-ci confessa la vérité, par tactique également, pour avoir sous la main une personne qui la tint au courant des bavardages du quartier, la vieille demoiselle jura qu'elle serait muette comme un poisson, qu'elle nierait la chose sur le coup du billard. Alors, elle jouit profondément de ce drame. Elle grossissait chaque jour les nouvelles inquiétantes. Elle, avec d'autres marchandes, elles vont même pas hésiter à s'approprier l'héritage d'un homme qui vient juste d'être arrêté. Ce fut la marchande de beurre qui commença. La pile disparut dans ses jupes. Puis, la sarriette prit une pile également. Elle se surveillait, prête à se donner des tapes sur les mains. Leurs doigts s'allongeaient régulièrement, des doigts horribles et noueux.
des doigts blancs et d'une souplesse de soie. Elles s'emplirent les poches. Toute la vitalité de ces femmes, on la voit vraiment très bien avec cette image de doigts qui approchent de l'argent avec vraiment avec de l'avidité tout simplement. Donc à chaque fois, l'auteur y met en scène des personnages qui sont odieux, qui sont manipulateurs, égoïstes, assoiffés d'argent et de pouvoir. Pierre Rougon, Aristide Saccard, Mademoiselle Saget. Il dénonce aussi les excès liés à l'argent, donc comme je disais, l'avarice de certains personnages, dont Aristide Saccard, mais aussi Renée, par exemple, qui est trop dépensière, qui est insouciante. Il dénonce également une opulence qui est débordante, qui est oppressante, qui est étouffante, tant il y a de descriptions parfois. Et c'est un thème qui est récurrent entre La Curée et Le Ventre de Paris, rien que par leur titre déjà, qui évoque un peu qui évoque la chair, qui évoque les entrailles. C'est des œuvres aussi qui partagent de nombreuses énumérations, des longues descriptions de fêtes, d'étals, d'abondance en général. Dans l'œuvre de Zola, le régime impérial, il est montré comme monstrueux. Il écrase par sa force démesurée toutes celles et ceux qui veulent s'y opposer ou qui s'écartent des valeurs du régime. Il n'y a pas de place pour les idéalistes ou les plus pauvres. Et en cela, il peut sembler très pessimiste parce qu'à chaque fin de roman, c'est la victoire des oppresseurs et des opportunistes. Quand on approche de la fin des romans, on observe toujours une montée en puissance très forte, qui se termine mal donc pour les personnages principaux, ceux du moins auxquels Zola a accordé le plus d'empathie ou nous a fait ressentir de la sympathie. C'est la répression de la révolte populaire par l'armée dans la fortune. Plassans tombe entre les mains des impérialistes et on assiste impuissant à l'exécution de Silvère et de Miette. Silvère, qui je le rappelle, a été trahi par sa propre famille. Ces morts, elles sont d'autant plus choquantes de par la jeunesse des personnages. On les suit depuis le début et on sait qu'ils incarnent une forme d'espoir face à l'avidité des Rougons. Alors, désolé de l'avoir n'emporté de lui qu'un souvenir d'écolier et de bon camarade, il baisa sa poitrine de vierge. Cette gorge pure et chaste qu'il venait de découvrir. Il ignorait ce buste frissonnant, cette puberté admirable. Ses larmes trempaient ses lèvres. Il collait sa bouche sanglotante sur la peau de l'enfant. Ses baisers d'amant mirent une dernière joie dans les yeux de Miette. Ils s'aimaient, et leur idylle se dénouait dans la mort. Dans ce passage, on voit vraiment qu'il y a un vocabulaire qui hésite encore entre l'enfance et l'adolescence. On a vu l'amour de Silvère et Miette, leur tendresse se développer. On connaît la pureté, on connaît la noblesse de leurs sentiments et de leurs convictions. Zola, il a su développer une forte empathie pour eux, je pense, parce qu'il adopte une approche littéraire qui est peut-être plus romantique quand il parle de ces deux personnages. Déjà, la seule issue de leur amour, c'est la mort. C'est quand même un thème assez récurrent. Il les place aussi souvent dans des cadres qui sont hors du temps. Souvent, Silvère et Miette partent s'isoler dans les campagnes. Ou alors, ils se retrouvent dans le cimetière de l'Air Saint-Mitre, qui est un lieu un petit peu isolé dans Plassans. Le coin désert du chantier, la ruelle verte, reprit son calme mélancolique. Il n'y eut plus que la lune vivante faisant tourner sur l'herbe l'ombre des tas de planches. Le groupe formé par les deux jeunes gens, sur la pierre tombale, était devenu immobile et muet dans la clarté pâle. Silvère et Miette, donc, ils sont évoqués avec beaucoup de tendresse et de sympathie par l'auteur, alors qu'il va avoir un ton beaucoup plus ironique, bien plus sarcastique, quand il va s'agir de parler des Rougons. Il est sans pitié quand il évoque la réprime de cette révolte au début de La Curée. Et, dans cette ville où le sang de décembre était à peine lavé, grandissait, timide encore, cette folie de jouissance qui devrait jeter la patrie au cabanon des nations pourries et déshonorées. Dans ce deuxième volume, La Curée, une des victimes, on peut considérer que c'est Renée. C'est un personnage qui est nuancé parce que d'un côté elle profite de sa richesse, elle est insouciante, elle vit vraiment dans l'insouciance de l'argent, quitte à être même trop dépensière et se ruiner. Et d'un autre côté, elle souffre de ses excès. Elle n'en a jamais assez, il y a une forme de folie qui la consume à plusieurs moments dans le roman. Et il faut aussi savoir que Saccard s'est marié à elle parce qu'elle avait un héritage conséquent, donc à des fins purement opportunistes, et qui ne va pas cesser de la manipuler pour qu'elle lui cède ses biens. Donc c'est en cela qu'on va ressentir un peu de la sympathie pour ce personnage. Dans La Curée, l'apogée du livre, elle se situe lors du dernier bal. Plus que jamais, il est opulent. Les danses, elles sont éperdues, il y a un rythme effréné qui est mis en place, on passe très vite d'un personnage à l'autre. Et au milieu de tout ça, Renée, elle cherche désespérément Maxime pour pouvoir s'enfuir avec lui, afin qu'ils vivent leur amour loin de Paris, loin des autres. Mais elle est cherchée par son mari, Aristide, qui cherche à démasquer ses intentions, et quand elle lui fait face et qu'il découvre la supercherie, elle se rend compte de deux choses. D'une part qu'il l'a manipulée depuis le début pour récupérer son héritage, qu'il l'a trahi, mais qu'en plus, son beau-fils, il va se ranger du côté de son père. Peu à peu, le père l'avait ainsi rendue assez folle, assez misérable pour les baisers du fils. Si Maxime était le sang appauvri de Saccard,
Elle se sentait, elle, le produit, le fruit véreux de ces deux hommes, l'infamie qu'ils avaient creusée entre eux et dans laquelle ils roulaient l'un et l'autre. Pas de sang sur le tapis, pas un cri, pas une plainte. C'était des lâches. Ils l'avaient mise à nu. Donc à la fin du livre, Renée, elle a tout perdu. Elle a perdu son amour, elle a perdu son argent, elle est obligée de revenir chez son père, et elle tombe malade, enfin bref, c'est vraiment une fin tragique pour Renée dans la curée. On peut aussi considérer que la ville de Paris, c'est une victime aussi en quelque sorte, puisque elle est quand même souvent personnifiée comme une proie qu'on découpe, comme on l'a vu un petit peu plus tôt. Dans Le ventre de Paris, c'est le personnage de Florent qui est mis à mal. C'est un personnage rêveur, qui est un peu mal à l'aise avec les femmes. Il accepte à contre-cœur un poste d'inspecteur des Halles, et bientôt il s'intéresse à la politique. Il a participé à des réunions révolutionnaires et commence à préparer une action contre le régime impérial. En opposition au gras, Florent est maigre. Donc Florent est maigre, comme on le voit, dès son apparition quand il retrouve son demi-frère Quenu. Alors il vit la maigreur, la misère de Florent. « Ah, mon pauvre ami, dit-il, tu n'as pas embelli là-bas. Moi j'ai engraissé, que veux-tu ? » Il était gras en effet, trop gras pour ses 30 ans. On sent une certaine critique de l'auteur dans l'ajout de ce « trop gras ». Ici c'est pour dénoncer l'accumulation de chair et de richesse qui a été faite par le charcutier. Au contraire, Florent, il reste maigre tout le long du roman. Il accumule pas de richesse, tout son salaire, il le reverse directement à l'inspecteur qu'il remplace et il refuse de toucher son héritage. La seule fois où il va s'en servir finalement, c'est pour financer son projet révolutionnaire. C'est le seul moment où il récupérera son héritage. Florent est perçu comme un nuisible dans les Halles. Son attitude, elle trouble les habitants. Lisa Macquart, elle supporte pas les manigances politiques qu'il a. Et on a Mademoiselle Saget qui va s'amuser à lancer des rumeurs sur Florent en le faisant passer pour un coureur de jupons. Et elle joue ainsi sur sa timidité avec les femmes qu'elle a très bien remarquées. Et ça fonctionne très bien en fait dans le livre parce que tout le monde va y croire. On voit donc progressivement une accumulation de haine contre cet homme et les habitants vont finir par découvrir son projet d'action contre le régime et le dénoncer à la police. Le jour de l'arrestation de Florent, on va sentir la tension qui monte peu à peu. Les gendarmes l'attendent chez lui pour le piéger, donc tout le monde est au courant de ce qui va se passer sauf les intéressés. Tout le monde sait ce qui va se produire et tout le monde est dans l'attente du moment où Florent va rentrer chez lui et se faire piéger. Il y eut comme un silence dans la poissonnerie. Les ventres et les gorges énormes retenaient leur haleine, attendant qu'il eût disparu. Puis tout déborda, les gorges s'étalèrent, les ventres crevèrent d'une joie mauvaise. La farce avait réussi. Rien n'était plus drôle. Donc comme on l'a vu un peu auparavant, ici les partisans du régime impérial, puisqu'ils ont dénoncé l'action de Florent, ils sont décrits comme des êtres inhumains. Ils sont associés à des ventres, à des gorges. Et en fait, tout le long du roman, Zola il va souvent décrire les Halles comme un lieu de mort, un peu un abattoir, où il y a beaucoup de cadavres qui sont entassés finalement sur des étals. Il y a une scène où un personnage tue des pigeons à la chaîne, et Florent assiste à ça, à ce massacre, et il commence à devenir profondément mal à l'aise. Rapidement, le couteau jouant entre les doigts, il saisissait les pigeons par les ailes, leur donnait sur la tête un coup de manche qui les étourdissait, leur entrait la pointe dans la gorge. Et cela d'un mouvement régulier, avec le tic-tac du manche sur les crânes qui se brisaient, le geste balancé de la main prenant d'un côté les bêtes vivantes et les couchant mortes de l'autre côté. Donc cet endroit morbide, dans le livre, il est mis en opposition à Nanterre. Nanterre, c'est un lieu qu'on trouve au début, au milieu et à la fin du livre, c'est une périphérie qui est associée à la nature et à la vie, puisque c'est là qu'on cultive les fruits et les légumes. Nanterre, c'est le lieu où démarre l'action donc, et où on rencontre Madame François, le premier personnage qui apparaît je crois, et elle trouve Florent qui est par terre, qui est évanoui, et c'est elle qui le sauve et le prend sous son aile. C'est la seule femme d'ailleurs dans laquelle qui ne fait pas peur à Florent. Donc les Halles ici c'est un peu un abattoir pour Florent, un lieu qui va l'avaler, qui va l'engloutir comme René s'est fait engloutir par la richesse. Zola va donc mettre en parallèle des personnages odieux, grossiers et égoïstes qu'on a vu dans la première partie, des personnages doux, rêveurs, jeunes, idéalistes. Les opportunistes finissent toujours par obtenir ce qu'ils veulent en fait dans la fin de ces romans. Ils exercent une oppression, une manipulation sur les autres qui deviennent donc des victimes directes ou collatérales du régime impérial. Pour attaquer le gouvernement, Zola il s'appuie sur des faits à la fois historiques et politiques précis. Il est issu du courant naturaliste et c'est un système de pensée qui veut dépeindre des phénomènes naturels, des phénomènes sociaux en s'appuyant sur les sciences associées.
Donc, c'est des choses qui se remarquent tout de suite dans l'écriture de Zola. Déjà, par la précision des faits historiques, que ce soit le coup d'État de 1851, pardon, ou encore les réformes du baron Haussmann avec la découpe de Paris, ou encore le réaménagement des Halles de Paris avec l'inauguration en 1857 de pavillons en vitrage. Et je trouve que c'est dans la fortune que les recherches de Zola seront le plus évidentes. Il donne de nombreuses dates, des événements politiques précis, il établit le trajet des insurgés dans la Provence, et il va aussi même revenir sur la politique, l'histoire politique de Plassans par exemple. L'histoire politique de Plassans, ainsi que celle de toutes les petites villes de la Provence, offre une curieuse particularité. La foi s'en alla, la population ouvrière et bourgeoise, désertant la cause de la légitimité, se donna peu à peu au grand mouvement démocratique de notre époque. Donc par ces éléments, Zola donne le contexte précis dans lequel ces personnages se développent ou se sont développés. Il arrive aussi très bien à définir les lieux dans lesquels se situe l'action, que ce soit à Paris ou à Plassans. Il se sert beaucoup de la cartographie pour donner les emplacements précis, pour donner les directions, mais aussi de descriptions architecturales qui sont très parlantes pour le lecteur ou la lectrice. Dans l'incipit de La Fortune, Zola décrit l'emplacement de l'aire Saint-Mitre. C'est un lieu essentiel dans le roman. Lorsqu'on sort de Plassans par la porte de Rome, située au sud de la ville, on trouve, à droite de la route de Nice, après avoir dépassé les premières maisons du faubourg, un terrain vague désigné dans le pays sous le nom d'air Saint-Mitre. Les indications ici, elles sont précises. Zola nous donne le nom des routes, des directions. On retrouve un principe similaire donc à Paris avec d'une part les Halles, mais aussi les réformes du baron Haussmann qui redécoupe les boulevards. Du boulevard du Temple à la barrière du Trône, une entaille. Puis, de ce côté, une autre entaille. De la Madeleine à la plaine Monceau. Dans les éditions que j'ai pu lire, souvent dans les notes ou dans les images qui sont associées, on trouve des plans, des cartes, des extraits de brouillons de plans que Zola a fait pour ses romans. Ensuite, on a les architectures qui sont établies avec beaucoup de précision, notamment l'hôtel Saccard par exemple. À mesure que l'œil montait, l'hôtel fleurissait davantage. Autour du toit régnait une balustrade sur laquelle étaient posées, de distance en distance, des urnes ou des flammes de pierre flambaient. Et là, entre les œils de bœuf des mansardes, qui s'ouvraient dans un foyer incroyable de fruits et de feuillages, s'épanouissaient des pièces capitales de cette décoration étonnante. Les frontons des pavillons, au milieu desquels reparaissaient les grandes femmes nues, jouant avec des pommes, prenant des poses, parmi des poignées de gens. Le toit, chargé de ses ornements, surmonté encore de galeries de plomb découpées, de deux paratonnerres et de quatre énormes cheminées symétriques, sculptées comme le reste, semblait être le bouquet de ce feu d'artifice architectural. Donc ici, l'hôtel Saccard, on voit que c'est un édifice caractéristique et qu'on visualise d'autant plus quand on connaît un petit peu Paris. Avec cette description, Zola rajoute aussi un côté très oppressant puisque le bâtiment est haut, il nous domine, il parle de ses toits. Il rappelle d'un côté, ça permet de rappeler la richesse de ces bâtiments, de ces architectures, et de montrer aussi qu'elles en font peut-être un peu trop. Il y a une idée similaire finalement avec la première description des halles dans le ventre de Paris. Et Florent regardait les grandes halles. Elles entassaient leur masse géométrique et, quand toutes les clartés intérieures furent éteintes, qu'elles baignèrent dans le jour levant, carrées, uniformes, elles apparurent comme une machine moderne, hors de toute mesure, quelque machine à vapeur, quelque chaudière destinée à la digestion d'un peuple, gigantesque ventre de métal, boulonné, rivé, fait de bois, de verre et de fonte, d'une élégance et d'une puissance de moteur mécanique, fonctionnant là avec la chaleur du chauffage, l'étourdissement, le branle furieux des roues. On sent à la fois de l'admiration et de la crainte pour cette nouvelle construction. Et enfin, Zola va nous donner un suivi très précis du quotidien et du monde du travail dans lequel évoluent ses personnages. Par exemple, le fonctionnement du marché des Halles dans le ventre de Paris, où tôt le matin, les marchands, les marchandes viennent acheter leurs marchandises aux producteurs. Les revendeuses, les marchands des quatre saisons, les fruitiers, achetaient, se hâtaient. Il y avait des caporaux et des bandes de religieuses autour des montagnes de choux. Tandis que des cuisiniers de collège flairaient, cherchant les bonnes aubaines. On déchargeait toujours. Des tombereaux jetaient leur charge à terre, comme une charge de pavé, ajoutant un flot aux autres flots qui venaient maintenant battre le trottoir opposé. Et, du fond de la rue du Pont-Neuf, des files de voitures arrivaient, éternellement. On saisit bien vite l'agitation de ce rituel matinal, et pour décrire avec tant de précision, tant d'informations ce genre de scène, Zola, il a forcément dû se rendre sur le terrain pour prendre des notes. Il n'a pas pu inventer ça de nulle part. Et on retrouve aussi le travail de la terre, par exemple, dans La Fortune. Le travail des paysannes, dans le midi, est beaucoup plus doux que dans le nord. On y voit rarement les femmes occupées à bêcher la terre, à porter les fardeaux, à faire des besognes d'hommes. Elles lient les gerbes, cueillent les olives et les feuilles de mûrier.
Leur occupation la plus pénible est d'arracher les mauvaises herbes. L'auteur ici caractérise bien le travail de ces paysannes en indiquant bien toutes les tâches qui leur sont confiées, et il fait aussi en plus un parallèle, une comparaison avec le travail des paysannes, mais cette fois dans le nord de la France. Et enfin, dans la curée, on retrouve aussi un peu cette description, même si Zola rentre pas dans les détails techniques des transactions, il donne un aperçu des manigances immobilières qui peuvent avoir lieu. Quand il possédait la maison, il eut l'habileté en un mois de la faire revendre deux fois à des prête-noms, en grossissant chaque fois le prix d'achat. Le dernier acquéreur ne la paya pas moins de 300 000 francs. Les locataires, qui avaient vent de l'expropriation prochaine, étaient au désespoir. Ils finissaient par accepter l'augmentation, surtout lorsque Larsonneau ajoutait, d'un air conciliant, que cette augmentation serait fictive pendant les cinq premières années. Quant aux locataires, qui firent les méchants, ils furent remplacés par des créatures auxquelles on donna le logement pour rien, et qui signèrent tout ce qu'on voulut. Là, il y eut double bénéfice. Le loyer fut augmenté, et l'indemnité réservée aux locataires pour son bail dut revenir à sa carte. Les tours de passe-passe effectués ici, ils sont compréhensibles par la lectrice ou le lecteur, et ils rendent bien compte de l'escroquerie qui est réalisée par Saccard et son complice. Donc vraiment, force est d'admettre le travail colossal de recherche et de synthèse qu'a effectué Zola. Ça donne non seulement un contexte historique qui est clair et compréhensible pour des lecteurs, des lectrices qui sont postérieurs au Second Empire, mais en plus je trouve qu'il y a une dimension assez presque sociologique en fait dans les Rougon-Macquart. Donc je m'arrête ici, il y a un millier de choses à dire sur ces trois premiers romans déjà, donc je sais même pas ce que ça va donner sur les 20 romans qui composent la saga. Honnêtement, j'ai fait qu'effleurer la surface. J'aurais aussi souhaité dans cette vidéo parler du rapport de Zola avec la peinture, parce que c'est aussi quelque chose qui m'a frappée. Mais ça aurait été trop long, c'est aussi quelque chose que j'ai envie d'approfondir, qui mérite d'être un peu plus approfondi, donc peut-être que j'y dédierai une vidéo. Enfin, attendez-vous à voir quelque chose comme ça, peut-être passer prochainement. Et j'espère que ce format un peu différent vous aura plu. Je suis curieuse vraiment d'avoir vos retours parce que je sais par exemple que j'ai voulu mettre beaucoup de citations pour un peu replacer les choses dans leur contexte, mais peut-être que c'est un peu lourd, je sais pas du tout. Voilà, toutes mes sources sont en barre d'infos si jamais, et je vous ai rajouté quelques épisodes sur France Culture qui sont dédiés à la vie de Zola et au Rougon-Macquart que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à une prochaine fois. Salut !